Coucou, ici Anna Brun. Je sais que vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas tellement moi que je voulais vous montrer. Je voulais juste partager avec vous ce moment. C'est le soir. Il a fait chaud toute la journée. Et je ne sais pas si ce sont des grillons qui chantent dans le jardin, mais c'est très agréable. Et tout là-bas, derrière, il y a un orage qui gronde, qui envoie de la lumière. C'est un feu d'artifice géant. Et je regrette qu'il soit pas si près, enfin plus près que ça, parce que j'adore les orages. Mais je voudrais partager avec vous cet instant où tout est calme, où tout se pose, où l'énergie n'est pas du tout la même. Et je vous invite à vous poser vous aussi à des moments comme ça où vous pouvez vous mettre à l'écart, vous pouvez marcher tout seul. Sentir l'air frais ou la douceur du soir et profiter je vais pas dire du silence parce que c'est très vivant tout ça, c'est très vivant autour, mais profiter de cette atmosphère spéciale de la nuit qui vous reconnecte avec vous-même. Transforme le monde, qui mène aussi aux rêveries. Votre cerveau rêve, n'oubliez pas ça. Vous rêvez éveillé, vous rêvez endormi. Choisissez vos rêves. Choisissez vos rêves. Et autorisez-vous des pauses hors du temps pour vous reconnecter à vos rêves, à l'amour, à la joie, à la gratitude, à l'abondance qui est déjà là autour de vous. Alors, peut-être en ville, vous ne la voyez pas, mais rien ne vous empêche d'aller marcher dans un parc, dans un jardin, dans une campagne, dans une forêt, au bord de l'eau. Ou simplement de vous allonger et de regarder le ciel et de vous ouvrir à toutes ces merveilles, d'accepter que c'est déjà là. C'est déjà là. Tout est déjà là. Accepter que tout est déjà là et dans l'abondance, dans la magie. Prenez le temps juste d'être vous avec les éléments, avec l'air, avec la douceur, la chaleur, avec la pluie aussi. Vous marchez des fois sous la pluie, le nez en l'air, pour laisser couler l'eau sur votre visage et être lavé par la vie. Ou bien, est-ce que vous allez à la rencontre d'un arbre, d'un rocher, d'un caillou, d'une pierre, d'une fleur, d'un insecte? La plupart des gens se sentent seuls et isolés parce qu'ils s'isolent de ce qui pourrait les nourrir. On peut se sentir seul au milieu des autres, comme on peut se sentir entouré au milieu de nulle part. À partir du moment où on fait un avec ce qui nous entoure, alors on est relié au grand tout, on est relié à l'amour, on est relié à la joie,
On est relié à l'humilité et en même temps à la noblesse. On est relié au mouvement et en même temps en même temps à la paix. Et je souris parce que je viens de voir passer une étoile filante. C'est très improbable en ce mois de mai, pour moi en tout cas. Et c'est très joli. Ah, il faut que je fasse un vœu. Eh bien, je crois que je vais souhaiter de continuer d'être. C'est pas que je crois, c'est que je suis sûre. Je souhaite de continuer à grandir, à être heureuse, à me dépasser, à me découvrir, à découvrir le monde, à oser encore et encore et encore. Et chaque fois que j'ose un peu plus, je m'aperçois que les peurs s'évanouissent, je m'aperçois que c'est juste. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Je vous aime. Prenez soin de vous. Vous êtes important. À bientôt.